Salut à tous, c'est Macognor Minou, on se retrouve pour le 38e épisode sur Pokémon Crystal Bleu. Bon, alors dans le dernier, hein, on a fait un long épisode sur... on s'est tapé un petit peu tous les boss de la team. Et voilà, là on va se retrouver pour la capture de Dialga du coup. Donc c'est parti, donc là le professeur venait d'arriver avec Luca. Dialga, le maître du temps. Nul ne saurait dire s'il est triste ou énervé. Mais selon moi, Dialga attendait ta venue. J'ai l'impression qu'il veut te mettre à l'épreuve. Affronte Dialga. Écoute son cœur, lis ses pensées. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Dialga est incontrôlable, on l'a traîné jusqu'ici avec la chaîne rouge et on l'a forcé à utiliser son pouvoir. Dialga te demande de mettre un terme à sa folie furieuse. J'ai croisé Bob il y a quelques temps, il m'a dit qu'il croyait en toi. Super. Je pense que tu as les épaules pour nous sauver. Il souffre d'avoir été enchaîné par la Team Galaxy. Ça marche. Eh bien, mon petit bébé. J'aurais peut-être dû me soigner quand même avant. Dia. Allez. Je trouve Dialga quand même vachement plus esthétique que Palkia, quoi. Donc ça me va parfaitement. En plus, à force de le voir toujours là sur mes layouts, sur toutes mes vidéos, je me suis dit ce serait bien quand même un jour qu'on l'ait. 47, d'accord. 47. Ouais, oh. Oui. Et on va déjà commencer par un petit croc éclair histoire de voir ce que ça donne. Hurle-temps. Oh, ça tabasse ça. Oh, ça tabasse. Ok. Oui, on va utiliser un autre Pokémon, forcément. Ok. Je sais même pas de quel type il est, hein, Dialga. Je suis vraiment un noob. Je crois qu'il est type acier, enfin je le joue en type acier dans... Je l'ai déjà vu dans des decks sur le TCGO. Ok. Bon. J'ai presque envie de dire, on va commencer à le capturer. On sait jamais. Ouais, je me disais, là, franchement, sur la veste, c'était abusé. Mais j'étais pas loin, quand même, hein, pour une première balle. En plus, il a toute sa vie. Ouais, donc il est bien de type acier. Dragon, je crois qu'il est aussi. Ok, bah ça commence à se corser. C'est un gros coup de chat en fait au début. Je vais commencer à rappeler un petit peu tout doux des gens parce que... Qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai rien. Ok, la griffe acier, pouvoir antique, hurle... Enfin, je sais pas quoi là.
On va quand même essayer de lui faire un peu de dégâts. On a le temps, on a le temps. J'ai fait une demi-heure sur deux combats. Je peux bien faire 20 minutes sur un. On va recommencer tout doux à la balle là. Vu qu'il a l'air de bien tanker, je vais quand même garder Pingu. Je vais refaire un petit surf des familles. Plus faut vraiment pas que je le bute parce que je viens de me rendre compte que je l'ai pas du tout sauvegardé. Donc là il va falloir que j'arrête les dégâts et je vais spammer les balles. On va faire une petite pokéball pour le fun quand même. Et si j'utilise l'astuce du B bas comme sur la Game Boy? Hurle le temps, ça picote. Bon, il m'en a déjà fait une chier, hein. Je pense que les attaques signatures comme ça elles sont à 5 pp. Ça devrait quand même se calmer. Allez, allez. Pas loin, pas loin, pas loin. Il doit se recharger normalement. Donc là on fait une super potion, une hyper potion. Allez, on y croit. De toute façon, voilà, ça me fait pas peur. J'ai déjà fait des captures de légendaires vachement plus balèzes. Je me souviens d'une fois où j'ai réessayé, mais des dizaines de fois. C'était dans les premières cartouches pour Mewtwo. Comme un couillon, j'avais déjà utilisé ma Master Ball, je sais plus pourquoi. Donc du coup j'ai dû faire uniquement à la Pokéball. Ou alors je crois que... Non, je crois qu'en fait je voulais surtout pas utiliser la Master Ball. Allez, ça va bien finir par passer. Je me souviens aussi d'un Articodin qui était particulièrement chaud. Après voilà, je le soutenais dans les autres cartouches, c'était quand même vachement simple d'avoir les légendaires. Le pire c'était voilà, X et Y, hein, où... Xerneas, Yveltal, tu les avais en très peu de temps quoi. Allez s'il te plaît, fais plaisir à papa, mais eux... J'ai le temps, moi je te dis, cherche pas.
Alors. Et en passage, hein, Dialga, tu lui enlèves un petit peu son armure de cristal, tout ça, il a l'air bien ridicule, quoi. Enfin, un genre de gros chien bleu alien. J'essaie de lui baisser encore un petit peu ses PV, mais. Allez. Chaque fois, je suis pas loin, c'est ça qui me gonfle. Y a rien de plus frustrant en fait. Allez. Super, bon, j'ai quand même mis 10 minutes pour le capturer. Il peut contrôler le temps, les mythes de Sinnoh en parlent comme d'une divinité ancienne. Donnez un surnom au Pokémon Dialga. Non, les légendaires, c'est sacré. Minette, je ne sais pas comment tu étais magnifique, vraiment c'était incroyable. En 60 ans, je n'ai jamais rien vu de tel. Le professeur a mené des recherches depuis la dernière fois. Il se faisait du mouron pour toi, Minette, c'est pourquoi il s'est aventuré dans ce lieu sordide. Je suis content de te savoir en bonne santé, sortons d'ici. Ok. T'as comment il m'a chopé? Nul n'a le droit de compromettre l'avenir ou l'existence des habitants de ce monde. Ok. Bon là je suis juste en bas. C'est tout? Bon du coup le mont couronné c'est bon. On va où maintenant? C'est bien qu'il y ait quelque chose. Barbe d'amande, d'accord. Dans les côtés, là, il y a quoi? Il y a rien. Je pense que je vais prendre vol en fait parce que. Oh, mais le fait! J'ai envie de le capturer. C'est vraiment des attaques de merde les CSA. Bon, en dehors de surf, que j'aime bien quoi. On te tape pas s'il te plaît. Oh cool. Ok. Tout le monde craque pour cet adroit Pokémon, il vit en groupe dans les calmes des montagnes. Non, je t'utiliserai pas. Ça vaut pas le coup. Je vais ressortir, je vais utiliser vol. Ah bah ça y est, on prend pas le repousse. Ah oui quand même. Quand les sauvages sont beaucoup plus costauds que toi, ça cause. Alors, comme ça on va vite faire les soigner et puis on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Pourquoi? Ah non, si je fais une corde sortie.
Ok, de toute façon, on est déjà passé ici. On va retourner dans une ville tranquillou, mimilou, pour se soigner. Faut qu'on aille ici. Donc, on va aller ici. Ouais, on va se mettre ici, à Verchamp. J'aime bien cette musique. Bon, bah voilà, c'était déjà un bon petit épisode. On s'est fait le légendaire. Et du coup, ça vaut peut-être pas le coup d'aller plus loin. Je sais pas trop maintenant où on va aller. On va essayer de choper la ville qu'on ne connaît pas. Et voilà, ça a l'air d'être. La carte s'est bien nettoyée là, on a l'air d'être vers la fin, il nous manque un badge. Donc je pense que la dernière ville ce sera la dernière arène. Et après on s'envolera pour la ligue. Donc voilà, c'était Maconnor Minou. Commentez, likez et on se dit à un prochain épisode. Bye bye.